Ouais, mon gava, c'est Tizen, c'est Mehzi pour Eclectic Media. Pow, Baba. Alors moi mon blaze c'est Tizen, Tyzen. En fait je suis fan de Manchester City depuis des années maintenant. Du coup de base c'était Benji Tizen. J'ai enlevé le Benji, j'ai gardé Tyzen. Voilà, Tyzen, bang bang. moi, du coup, c'est Mehzi. Mehzi, de base, je vais t'avouer, c'est un blast qui date d'il y a des années. Ça fait 10 ans que je fais du rap. De base, c'était lui, Mehzi. Mais en attendant, voilà, on a grandi et maintenant c'est devenu Mehzi. Je sais même pas te dire pourquoi. C'est un blast, tout le monde m'a appelé comme ça et du coup, j'en ai fait mon blast. Bao! MAZZY. Comme dans Warzone, j'atterris par hasard. Dans ma vie, toujours à la recherche du trésor. On s'est mis à travailler ensemble en fait. En vérité, vis-à-vis d'un clip sur les réseaux. Ouais. Mon gars, il avait besoin de figurants. Ouais. Et donc, du c'est coup, il vrai. m'a invité à être figurant dans son clip. Je suis venu figurant dans son clip. Après, il savait que je faisais du peu rap. On a commencé à checker ensemble. Ouais. On a été en studio ensemble. De là, Dans le même label, on a été voilà, ensemble, même. Z Labo, hein. Z Labo jusqu'à la moelle, 6000 zoos. Et ouais. Et de là, voilà, est parti le combo gagnant. Une grande aventure, une grande amitié. Alors, notre morceau Ivar, en fait, il est sur la compile du studio L'Éveil. Hein. C'est Staff. On était en concert en fait, Big on était up en à concert. Staffy, big up au studio Ouais, gros big up à eux, on était en concert. Et il nous a checké, il nous a dit ouais, ça vous dit de faire partie du projet du coup Studio L'Éveil. On l'a fait. Et ouais. Franchement, c'est un de nos morceaux, vu qu'on fait beaucoup de concerts, franchement, le morceau là sur scène, D'ailleurs, il si je donne peux de me ouf. permettre, je tiens à placer un big up à tous les MC présents. Parce que je tiens à dire encore maintenant que Ivar, vous pouvez le retrouver assez rap, presque tous les jours quasiment, sur vos ondes radio. Dans tes écouteurs, c'est Tizen et je m'y ferai le beat, j'ai pas besoin d'usine. Alors nous on vient du 6000 hein, 6000 Charleroi 6000 hein, Zouga, 6000 sous, 6000 sous à vie hein, de ouf. J'ai la frappe de R9 et de Ronaldinho, si tu tires sur mon joint tu peux dominer. Alors franchement celui qui tire le plus l'autre vers l'eau, bah franchement c'est les deux. On est toujours là à se motiver justement, on se motive tout le temps en fait. Je pense que c'est un donné et un rendu. Ouais. On se pousse l'un et l'autre pour atteindre le sommet niveau musicalement. Yes. Et voilà, c'est un binôme, c'est ce ouais. que ça s'appelle. Non, c'est même mieux. Dites-vous, Mehzi Tizen, c'est Vegeta, Son Goku. Là, c'est Gogeta que vous avez devant vous. Voilà, c'est Gogeta, on est ensemble pour tout. Celui qui est le plus souvent en retard, je vais pas te le cacher, c'est lui. Ouais, c'est moi, toujours. C'est lui, voilà, c'est lui. Toujours. En fait, moi, je dors. Moi, je dors jusqu'à 15-16h du matin. 15-16h du matin, les vrais sables. Moi, je vais rien dire, voilà. Et il y en a, à 7h du matin, ils sont réveillés, ils sont chauds patates. Si un retardataire doit l'équipe, mon pote, c'est lui. Ouais, de ouf. C'est une certitude. De ouf. Moi, je dors. Pour moi, être éclectique, ça veut dire c'est être ouvert à plusieurs styles musicaux différents. Et moi personnellement, niveau rap, je vous avoue que je suis restreint. Nous, c'est Freeze Corleone, Al Capote, Razmo, voilà, c'est Freeze Corleone, Malty de BZ. Voilà, le triangle inversé, t'as capté, enfoiré. Bah, je n'arrive pas à écouter tout ce qui est commercial, tout ce qui a tout ce qui. Voilà, tout ce qui passe pour le moment, j'y arrive pas, on va pas se mentir. Moi, j'aime le rap de rue. Bah. Gros CV, rive, pas besoin de certif, ouais, c'est ça qui. Appelle-moi Ivar, la vente de rappeur, je vais désosser. Dans une matrice lointaine. Ya ya ya, c'était Tizen et Mehzi pour Eclectic Media. Mais ça n'empêche pas que les prods les dévorent. 2002, rien qu'on casse tout, j'enchaîne prouesse comme un casse-cou. Je suis dans le tunnel, j'en vois pas le bout, me parle pas.